les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivants actuellement. L'éléphant d'Afrique mesure en moyenne 4 mètres de haut, à l'épaule, et pèse environ 6 tonnes, pour le mâle, contre 4 chez la femelle. Ce sont des mammifères herbivores à la peau très épaisse. C'est pour cela qu'ils sont aussi appelés pachydermes. La femelle ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois, après l'avoir gardé dans son ventre pendant 22 mois. Il entend très bien grâce à ses grandes oreilles, a un bon odorat avec sa trompe, mais la vue est assez faible avec ses petits yeux. Son cri s'appelle le barissement. Il existe 3 espèces d'éléphants, l'éléphant d'Asie, l'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique. Les 2 espèces d'éléphants d'Afrique ont longtemps été considérées comme une seule. Une étude scientifique a prouvé la séparation des 2 espèces il y a plusieurs millions d'années, mais des doutes subsistent toujours et certains scientifiques considèrent l'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique comme 2 sous-espèces d'une seule et même espèce, l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique peut mesurer jusqu'à 3,70 mètres au garrot, peser jusqu'à 7 tonnes. Il possède de très grandes oreilles qu'il fait battre pour ventiler et avoir moins chaud. Il possède aussi une trompe qui se termine par 2 doigts. 2 variétés d'éléphants habitent l'Afrique, ceux des forêts et ceux de la savane, les plus grands. Ils se déplacent pour trouver suffisamment de nourriture. Les femelles marchent d'abord, avec les petits, et les mâles restent en arrière et n'interviennent qu'en cas de danger. L'éléphant d'Asie est plus petit, environ 3 mètres au garrot, possède des oreilles nettement plus petites et sa trompe se termine par un seul doigt. La principale différence est que l'éléphant asiatique, capturé jeune, se laisse apprivoiser s'il est bien soigné. Il est dirigé par son cornac, un homme qui est à la fois son soigneur et son dresseur. L'éléphant vivant très longtemps, c'est presque une union pour la vie entre cet homme et l'animal. L'éléphant ne peut sauter compte tenu de sa masse et ne peut courir également. Il peut avancer assez vite, comparé à un homme, lorsqu'il charge par exemple, en se dandinant de gauche à droite. Il peut atteindre 15 à 20 km par heure en moyenne sur une course de vitesse avec des pointes records à 30 voire 40 km par heure maximum. Le record est réalisé en 2002 avec un éléphant d'Asie mâle de 3 tonnes qui a atteint 23 km par heure en moyenne, mais il n'était pas très gros comparé aux autres. Ceux de 5 tonnes n'avancent pas à plus de 17 km par heure en moyenne. La trompe de l'éléphant est l'allongement de son nez et de sa lèvre supérieure. C'est un organe puissant constitué d'environ 15 000 muscles qui lui permet de réaliser des gestes indispensables à sa vie quotidienne. Elle lui sert à sentir, à toucher, à saisir des aliments, des objets ou encore à caresser les membres de sa famille. Elle lui permet d'aspirer jusqu'à 10 litres d'eau pour les verser ensuite dans sa bouche, s'asperger lors de sa toilette ou de celle des petits. En s'enroulant autour d'une branche, la trompe peut la casser ou l'écarter. La trompe des éléphantaux leur permet de s'accrocher à leur mère lors des longs trajets. C'est un véritable outil à tout faire.
Les éléphants ont une excellente mémoire tout comme les dauphins, les singes et les hommes. Ils sont capables de reconnaître leurs semblables même s'ils ne les ont pas vus depuis 20 ans. Des scientifiques ont évalué cette mémoire en plaçant une trentaine d'échantillons d'urine dans plusieurs endroits et ils ont observé. 20 ans après, les éléphants s'en sont souvenus. La femelle dominante guide le troupeau sur des centaines de kilomètres quand ils migrent, et ils prennent toujours le même chemin. Ils passent par les endroits les plus accueillants pour les plus faibles et passent le plus possible par des oasis. Quand une des oasis s'assèche, le troupeau s'en souvient et ne passera pas par le même endroit pour le retour. C'est grâce à cette mémoire que ces éléphants arrivent à survivre dans la nature. L'éléphant possède deux longues défenses qui sont le développement de deux de ses incisives, alors que ses autres dents sont des molaires. Elles sont moins une arme d'attaque que de dissuasion contre des menaces. Il suffit que l'adversaire s'éloigne pour stopper toute violence. Les défenses servent surtout d'outils pour déterrer ou soulever ce qui sera saisi avec la trompe. On a remarqué que les éléphants utilisent toujours la même défense qui s'use plus que l'autre. Comme les humains, certains sont droitiers, d'autres gauchers. Comme nos dents, les défenses sont en ivoire, une matière très fine, recherchée depuis des siècles, car elle permet de magnifiques sculptures. Cet ivoire lui a valu d'être abondamment chassé par des hommes qui en faisaient commerce. Cette chasse a eu pour conséquence, en Afrique, la quasi-disparition de l'espèce. En 1970, il y avait 1 million d'éléphants alors qu'aujourd'hui, il n'en reste plus que 30 000. Les éléphants sont maintenant une espèce protégée, c'est-à-dire qu'il est illégal de les tuer, mais le braconnage, chasse clandestine interdite, continue, pour l'ivoire, mais aussi pour le plaisir de certains chasseurs, prêts à payer des fortunes pour pouvoir tuer un éléphant au cours d'un safari. Dans certains pays, Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, le commerce de l'ivoire est légal, mais il est généralement interdit en Afrique australe. En 2002, les braconniers en vendaient à des acheteurs principalement français, allemands et italiens. Bien qu'on en parle moins, ce braconnage est toujours d'actualité. Chaque jour, un éléphant a besoin de 150 à 260 kg de végétaux, herbes, feuilles, fruits, rameaux, et de 50 à 140 litres d'eau. Les éléphants vivent généralement en grands troupeaux, constitués des femelles et de leurs petits. Le troupeau est guidé par la femelle la plus âgée, appelée la matriarche. Grâce à son excellente mémoire, la matriarche sait où trouver de la nourriture et de l'eau, et peut guider efficacement son troupeau. Les éléphantaux sont assez vulnérables aux prédateurs, c'est pourquoi ils restent avec le troupeau, où ils sont protégés par leur mère et leur tante. Les mâles sont moins sociables, et plus agressifs que les femelles, ils vivent la plupart du temps seuls, en dehors du troupeau. À la saison des amours, les mâles entrent dans une période appelée le must. Un mâle en must se reconnaît aux glandes situées sur son front, qui laissent s'écouler un liquide. Sous l'effet des hormones, le comportement des mâles en must change. Ils deviennent très violents et agressifs. Un mâle en must cherche à s'accoupler avec une femelle et n'hésitera pas pour cela à montrer sa force, à tout casser, voire à blesser la femelle ou à tuer un petit. Les éléphants mâles en must sont des animaux dangereux. Les fonctions reproductrices des mâles se mettent en place à l'âge de 10 à 15 ans et ils commencent à se reproduire à l'âge de 30 ans. Pour les femelles, elles peuvent se reproduire à partir de l'âge de 9 à 15 ans. La femelle porte son petit dans son ventre pendant près de 2 ans, entre 20 et 22 mois, avant de le mettre au monde. C'est la plus longue gestation de tous les mammifères. Comme son nom l'indique,
l'éléphant de savane vit principalement dans les savanes africaines. Il mange un peu d'herbe, mais surtout les branches, les feuilles et les fruits des rares arbres et buissons de la savane. Quand la nourriture vient à manquer, ils sont obligés de se déplacer pour en trouver d'autres. Les troupeaux d'éléphants de savane sont migrateurs. Au contraire, l'autre espèce d'éléphant d'Afrique, l'éléphant de forêt, et les éléphants d'Asie vivent dans des milieux beaucoup plus boisés, la forêt dense africaine ou la jungle asiatique. Ces espèces ne sont pas migratrices, car elles trouvent toute l'année de quoi se nourrir. Les éléphants sont des éléments importants de la biodiversité. La présence d'éléphants dans un milieu modifie l'environnement et les espèces qui y vivent. Ainsi, les éléphants sont capables d'abattre des arbres entiers pour les manger ou de creuser la terre avec leurs défenses pour trouver de la boue ou des sels minéraux. Par leur action, les éléphants créent des clairières au sein des forêts où des espèces différentes se développent, ainsi que des mares et des points d'eau qui attirent les animaux. Les éléphants consomment également beaucoup de fruits et donc mangent des graines. Qu'ils ne digèrent pas, les graines se retrouvent dans les bousses d'éléphants, beaucoup plus loin, et redonneront naissance à de nouveaux arbres. L'éléphant participe donc à la dispersion des graines. La peau des éléphants est fragile et craint le soleil. Les éléphants apprécient de prendre des bains et de se laver, ils utilisent leur tronc pour aspirer de l'eau et se la verser sur le dos, comme une douche. S'ils ne trouvent pas d'eau, un éléphant aime bien quand même s'asperger de boue ou de poussière, qui le protège du soleil et des parasites. En Inde, où les éléphants d'Asie sont élevés et apprivoisés, le cornac procède à la toilette de son éléphant et lui fait prendre bain par jour. Dans le sud de l'Asie, les éléphants sont d'excellents nageurs. Ils sont même capables de traverser la mer pour passer d'une île à l'autre. Si l'éléphant était un mystère pour les Européens, pour les habitants d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, au contraire, c'est un animal très familier qui fait partie de leur quotidien. L'éléphant, symbole de puissance et de sagesse, apparaît dans de nombreux contes et récits de ces régions. Il a même une place importante dans la religion. Les éléphants sont réputés pour leur capacité à anticiper l'arrivée des intempéries. Il semblerait qu'ils soient capables d'entendre les sons provoqués par le déplacement des nuages. Le cri de l'éléphant et le barrissement. De récentes études scientifiques ont montré que les éléphants, comme de nombreux animaux, sont sensibles aux infrasons. L'utilité de l'audition de ces infrasons reste cependant mystérieuse. Il semble qu'ils soient capables de communiquer entre eux par les ondes acoustiques de surface transmises par le sol. Les éléphants peuvent dormir debout ou couchés. Le fait de se coucher indique qu'ils sont parfaitement détendus. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.